Donc je vais retourner ici histoire de choper l'autre calice. C'est un calice. Pour les petites fées. Et éventuellement reprendre aussi cuisses de poulet. Et on verra du coup si ça marche ou pas. Pour le coup. Voilà, donc là, la petite hache, ça va faire plaisir. Qui a fait venir la sorcière de la forêt? Oh, c'est vous, Sœur Fortesque. Pardonnez-moi, mon seigneur. Je n'ai jamais vu de vrai héros. Pardonne-moi, ce n'est qu'une plaisanterie de vieille dame. En vérité, je suis ravie de te voir, Sœur Fortesque. Et j'ai besoin des 7 morceaux d'ambre cachés dans le repère des fourmis. Apporte-les-moi et tu seras récompensée. C'est une offre unique. Veux-tu essayer? Eh ben oui. Oh pardon, ne t'ai-je pas dit que je dois te réduire à la taille d'un insecte? Reviens vite. Et pas fait gaffe aux détails, mais je crois qu'il y a un souci au niveau du chaudron, non? À voir. Faut que je regarde si la hache est rapide en attaque. Ça reste correct, donc à mon avis on peut faire un combo, voilà, hache-marteau. C'est pas forcément mauvais. Bon. Faut que je fasse attention pour l'effet. Oh, merci de m'avoir délivré, Sœur Fortesque. Le seul désir de mon peuple est de vivre heureux, en parfaite harmonie avec la nature. Hélas, la maléfique reine des fourmis garde un grand nombre d'entre nous prisonniers. Sauve mon peuple, Daniel Fortesque, et tu seras grandement récompensé. J'aimerais bien. Faut que je les libère. Nous y voilà. Je vais ouvrir les portes pour toi. Ces lucioles sont mes amies. Elles éclaireront ta route à travers les ténèbres de l'enfer. Yep. Super. Bon, heureusement qu'on a le marteau. Bon, je vais à gauche. Ça c'est bien. Non, ça a pas l'air. Ah, faut vraiment les trouver, hein, c'est fait. Tiens, là, il devrait en avoir une. Voilà. Première fée. Bon, là on sait qu'on a déjà été. Il y
Peut-être une ombre, non? Pas du tout. Ok, bah non, là, c'est là où on descend, non? Ok, deux passages. Il y a deux passages. Ok. Ce labyrinthe. Il faut bien, bien se mettre dessus, quoi. Insupportable. Ah. Tour à gauche. Ok, voilà, j'irai d'abord à droite. Parce qu'il y a une zone. On a libéré l'une des fées. Et il faut secourir l'autre. La deuxième zone où il y avait des fous. Et là. Ouais, parce que là il y en avait peut-être une. Hein. Attendez, c'est quoi ça? Je crois que c'est là que je me suis fait arnaquer, faut pas que j'avance trop vite. Là, il y en a une. Santé. Mais je suis à fond. Ok, je les ai. Donc là, non, faut pas y aller. Pas tant que... n'est pas le tout. Non, il n'y a pas d'autre zone là. Hein. Si on peut le voir vite, 66%. Et il nous faut les cendres. Non, mais c'est quoi ce délire? Et l'effet? J'aveugle.
Faut pas que je sorte de ce niveau tant que je les ai pas. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est-à-dire que là, c'est où j'ai plus qu'à casser le rocher là. Là je ne sais plus, hein. Là je suis totalement perdu. Mais totalement. Je voulais juste vérifier, donc oui, il y a bien une embrouille. L'embrouille, c'est que je dois vraiment chercher toutes les fées avant de rentrer dans la dernière zone. Et c'est ce que je voulais juste vérifier. Donc, bon, l'emplacement, c'est assez hasardeux parce que je sais plus où je suis. Mais voilà, hein. Où je trouve. Tant que j'ai pas trouvé, je peux pas quitter le niveau. Je me suis peut-être dit, ça va peut-être être au niveau de l'arène. Du coup, je risque de chercher pendant des heures, mais non, en fait, je suis bien obligé. Je dois chercher. Et le problème, c'est qu'il y a pas tout. Avec les rêves forcément de la même couleur, comme on a pu voir. Parce que du coup, maintenant il m'en manquerait pas un en bas. Ah voilà. Ok. Ouh. Alors. Je sais pas, je vais partir sur quoi. Bon qu'à faire, hein. Non, je crois qu'il me faut quand même une arme intéressante. Le type assez vénère. Mais par contre, là, c'est tout libéré. Est-ce que le calice, je l'ai? C'est ça ma grande question, en fait. Mais regardez. J'ai pas envie de me faire arnaquer. Ce serait chiant de se faire arnaquer juste pour ça. D'accord, donc c'est juste à la fin. Ok, très bien. Bon, je voulais être sûr.
Rome. Bon bah c'est reparti. Ce sera la dernière fois qu'on ira du coup dans... dans l'autre monde. Ouais, je veux passer à cinématique, hein. C'est bon, on a déjà fait. Dans tous les cas, je serais obligé de le faire 5 fois. Donc, allez. Oh non! Sérieusement? Ah, juste à la fin. Deg. Tu as aidé à libérer tout le peuple des fées des griffes de ces rebuts immondes de fourmis. En retour, je t'offre le passage vers le hall des héros. Je n'y suis jamais allé, mais on m'a dit que le bar était gratuit. Bon, en tout cas, moi j'y vais, hein. Ah, ça a juste un peu changé, apparemment on devait le faire après la sorcière, donc c'est très bien. Il change bon quoi. Mon Dieu, mais n'est-ce pas là Daniel, seigneur des fourmis? Tiens-toi tranquille, je vais rompre le sortilège de rapetissement. À moins qu'on va revoir la fée. Si. Oh, quelle belle ombre! Voilà pour vous, chevalier. Je suis peut-être une vieille taupe fripée couverte de verrues et puant le chou, mais je tiens mes promesses. Voilà ta récompense. Donc non, il y a un tout petit changement. Ça va. Alors... qui allons-nous voir? On va juste changer cette arme pour nous remettre tout simplement la hache. Ah merde, ça c'est chiant. Ah d'accord. Alors Daniel, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça te dit? Bah t'aurais juste pu dire un arc mais enflammé. Ça par contre ils l'ont pas changé. En fait j'ai une arme mais je sais pas ce que c'est. Un peu con. Ah vous avez vraiment laissé tel quel. Hein. Par contre de ce côté là, pas de changement. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Avec. Mais c'est un peu triste, je trouve. Et bah voilà.
Donc ils nous remettent à la crypte. On est plutôt pas mal. Donc là, on va sûrement devoir aller en fait ici. La zone des anciens défunts. Et c'est une zone très risquée. Mais ça, on fera plus tard. Voilà. Parce que je vais m'arrêter ici pour le live, donc aussi pour du coup les vidéos. Puis je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Puis je vais remettre les rediffusions pour ceux qui auraient loupé. Salutations à vous et merci.